Pour le moment, ça a l'air d'aller. Parce que j'ai changé les paramètres d'OBS. Donc on va voir. Ok, allez, c'est parti. Oula, 57 degrés direct. On verra qu'on sera en action si ça montre haut ou pas. Allez, on repart. Petite session Outrider. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Là, on a niveau 10. Là, on a niveau 10. Là, niveau 12. Bon, ça, niveau 15, mais ça, on verra. J'ai encore rechangé de classe pour tester. D'accord. On va essayer celui-là, qu'on avait fait niveau 12. On va le remettre. Alors, on va pas faire niveau... Je suis à 20K. Ah oui, puis ils ont doublé tous les... Il y a le taux de légendaire qui est doublé en ce moment. Le taux de légendaire est doublé. Et ça, c'est cool. On essaye... On va réussir à looter. Ouais, on essaye niveau 13, on verra après. Pour l'expédition. Augmentation d'attributs. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai changé une petite perk sur un de mes items. On va voir si ça me fait faire plus de dégâts ou pas. On verra. On va tester. Un truc que je vois, c'est de trouver une touche pour pouvoir switch plus rapidement, mais... De quoi, d'armes? Ouais. S'il y a une touche. Plutôt que d'utiliser la molette. Alors techniquement, oui, il y a une touche. Si tu appuies sur A, toi, par rapport au pavé numérique, je pense que tu peux le mettre sur 7. Oui, mais sur 7, moi, j'ai le coup de poing. Enfin, tu peux pas le mettre sur 3 ou sur plus? Ben, sur 1, 2, 3, j'ai déjà... Sur plus, j'ai le couvert ou... Ah oui, donc l'équivalent de l'espace. Non, l'espace, je l'ai sur 0, c'est le contrôle. Il vient et il s'en va. Ah oui, d'accord, c'est TRL. Ah, mais on va voir. Ah. Je sais plus ce que j'ai sur 9. Oula, qu'est-ce qu'elle fait? Je lag. C'est horrible. Ah oui, d'accord. Ah oui. Attends. Ok. C'est précis au départ et après ça perd sa précision. Et sur 9, j'ai rien. Qu'est-ce que j'ai sur 9? Et c'est long à recharger. Ok. Bon, moi je verrai, on va voir. De toute façon, on va voir ce que ça donne. Okay. Et donc avec A, normalement, c'est tu cliques une fois, ça change d'arme. Ouais, et si tu restes cliqué, ça sort le gun. Faudra que je vois, ouais. Et... YOLO. Thiago avait raison à propos de ce bourdonnement. Drôle de structure. Il y a un genre d'interrupteur ici. Ah, et c'est la map où je lag. Ok, je viens de voir un 130 000 popés en dégâts. Donc toutes les 3 secondes, je pourrais faire un 130 000. Et plus ils sont groupés, monsieur. Putain, elle est longue. Oula, quel con. Si je me trompe de touche, ça va pas le faire. Ok. Test. Thomas, faut plus qu'on la fasse. Salut Sova. C'est bon, il en reste. C'est bon. Bizarre, la porte est ouverte. Ah, elle est horrible cette map. Non, non, mais elle me fait laguer, c'est horrible. C'est ça le problème. Pardon, je suis en train d'agoniser. Vous avez besoin d'aide? On va voir déjà sur celle-là. Moi j'ai changé un perks sur ma... sur une de mes armes, je suis en train de la tester, mais pourquoi pas un peu plus tard, oui, il n'y a pas de souci. Déjà on essaye de voir jusqu'où on peut aller par rapport à la dernière fois, parce qu'on n'a pas une vision de quand on nous a aidé fortement la dernière fois. On nous a fortement PL, voilà. Ce qui a été excessivement sympa de sa part. Sympa. Qu'est-ce qui se passe? Je pense pas mes tourelles, ça va pas le faire. J'arrêtais pas d'avoir des décos reco là, de je sais pas quoi. Allez, sur 9 je vais m'en utiliser. Ok. écoute. C'est bon? J'arrête de me tromper de touche. Allez. Ok, c'est bon. Parfait. Une tempête arrive. Je dois me dépêcher. Bon, pour le moment, ça va. J'ai pas eu besoin de trop soigner. En même temps, j'ai la nouvelle branche que j'ai mis. Je dois avoir, je crois que j'ai 40% de résistance, un truc du genre de base. D'accord. À mon avis, tu l'entendais pas parce que en fait, il parle pas. C'est ça, je parle très peu, j'étais très concentré. Pareil. C'était très la concentration, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait, mon couillon. Ouais, c'est ça, c'est bon, qu'il parlait pas. Si c'est ce que vous attendez, Yatta. Si c'est ça que vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. On va faire le pont. Et hop. Un petit coup de cendre. Allez, bras, dada, dans ta gueule. Et ah, j'ai des pruneaux pour toi. Aïe. D'accord, ok. Les pruneaux, il aime pas ça. On va dû attendre un peu. D'accord. Allô, aïe. Putain mais... Je lag ou... Je sais pas. J'ai l'impression de me prendre des mandales de l'espace tout le temps. Non, non, mais on se prend des mandales de l'espace, hein. Même moi. Tu fais dodo. Toi aussi. D'accord. Ah merde! Une deuxième. Allez, ça dégage. Ouf, il y a un 309 000 qui vient d'apparaître. Ouh. Le moment où il ne parle pas, c'est le moment où il est concentré. Ouais, c'est ça, ouais. Ah. Ouh. Et on a réussi la... Et on a réussi... on l'a fait en gold, hein. Ouais, ouais. Pile poil, mais... là-bas. Sortez vite d'ici. De l'autre côté. Ouh. Eh ben, c'était hardcore, mais on l'a passé. Ouais, c'est ça. Ouh, merci, Sova. Alors, on l'a eu pile poil, je pense, hein, de pas loin même. Je pense, oui. Bon, oh, déjà, 1, 2... Bon, ils ont mis 30% aussi, enfin, ils ont bien augmenté, donc... Oh, alors, c'était que des pièces d'équipement que j'ai eues. Ah, moi, j'ai eu que des armes, j'ai eu 2 armures. J'ai eu un torse et des gants. J'ai eu 2 armes, encore. J'en ai marre, j'ai que des armes. Ah, mais toi, t'es fou... full arme. T'as pas une armure. Non, non, par contre, j'avoue que là, j'attends avec impatience le rendu des dégâts. Je veux voir combien fait mon éruption. Ouais. On va voir ça. On va regarder le kick émetteur. C'est parti. Bon, moi, ça va, le processeur avec le ventilo et le PC ouvert. C'est bon, ça tient. Il y a surtout ça aussi. Oh là là. Je suis tombé une fois, mais je me suis relevé. Oui, oui. J'ai pas eu le temps de te... Enfin, je crois que je t'avais soigné juste avant, mais d'un coup, tu t'es pris notre claque et t'as fait Screech. Donc, j'ai pris, j'ai pris double AOE mère porteuse. Oh oui, alors... Ah oui, j'ai bien augmenté mes dégâts. Ah oui, t'as franchement bien augmenté. Moi, bah, regarde les dégâts subis, moi. Ah oui, par contre, toi... Oh, putain, par contre, dégâts bloqués, je suis pas dégueulasse, hein. Mais dégâts... Ouais, j'ai fait moins de coups critiques. Moi, je voulais tester une nouvelle perk, je veux voir combien elle fait. Tu vois, regarde, Comet, j'ai fait quand même 19 millions avec Comet et les breuses. Coup critique, j'ai fait le chiffre magique. Vent cinglant aussi, ça a fait pas mal. Alors, dégâts infligés, j'ai fait combien? Eh ouais, éruption 28 millions. Ah oui, t'as fait beaucoup. Ah, ça se... Et toi, chaîne de la mort, ça a fait énormément, hein. Ouais, mais c'est parce que j'ai mes deux armes. J'ai mes deux armes qui sont équipées de chaîne de la mort. Et surtout, la dernière que je viens d'avoir avait chaîne de la mort native dessus. Moi, c'est bizarre. Pourquoi les miennes de chaîne de la mort, elles se... Je l'ai pas. Parce que j'ai chaîne de la mort. Ah non, j'ai foudre de guerre sur l'une. Ouais, t'as foudre de guerre et vent cinglant. Ouais. Je crois que t'as modifié. Oui, mais c'est pas ça. C'est ouais, c'est l'arme. La deuxième arme, elle l'a pas. Mais par contre, elle ouais, a... quand même, ta comète ténébreuse, elle a fait masse dégâts. Hein. Bah, toutes les 3 secondes, ça tape, ça peut taper en zone. Donc, moins puissant paquet, mieux c'est. Moi aussi, j'ai des problèmes avec mon PC. Ouais, j'ai un problème de surchauffe. J'ai pas eu le temps ce week-end, mais faut que je change la pâte thermique, je pense, pour que ça aille mieux. Mais là, je suis en l'ouvert et j'ai un ventilo qui souffle dessus. Voilà. Bon, après, c'est vrai, tu es SP DPS, je suis SP support. Donc, mais bon, normal. Dans un sens, je suis content que... Qu'est-ce que j'ai eu comme arme? Bon, ça c'est l'arme que j'ai eue, que j'hésite à casser pour avoir le sauterelle affamé. Ah bah ouais, non, mais c'est énorme. Ah bah moi, ma batteuse, c'est la faucheuse. Alors, qu'est-ce que j'ai de nouveau? Tir affaiblissant ultime et chaîne de la mort. J'ai eu bénédiction d'Enoch. Qui fait question de vie ou de mort. Les tirs mortels créent une explosion qui restaure 35% des PV max aux joueurs. Ouais, Osef. Ça, c'est moyen. Mais après, c'est un fusil à pompe. Et j'ai eu encore un sniper. Fusil de précision auto-automatique. Souffle ultime de l'anomalie. Les tirs critiques engendrent une explosion d'énergie de l'anomalie qui inflige 52 373 de dégâts dans un rayon de 2 mètres toutes les secondes. Ah! Bah, dis-toi que moi, le torse, c'est... Tuer un ennemi avec une compétence au corps à corps, recharge les munitions de votre chargeur en cours. Mais je veux pas jouer attaque au corps à corps. Dégage. Donc les tirs critiques engendrent une explosion d'énergie de l'anomalie qui inflige 52 000. Alors, mais c'est un rayon de 2 mètres, c'est tout peu, c'est tout peu. Parce que là pour le moment, voilà, j'ai mis ça, là j'ai foudre de guerre ultime sur mon truc, et j'ai comète ténébreuse. Dans le tortionnaire. Ouais, les tirs réussis et toutes les 3 secondes. À laquelle les ennemis sont considérés à porte. Je l'ai testé, mais et il faudrait que je regarde, c'est dans les options. Il faudrait que je vois. Je voudrais faire un changement. Commande. Ok, tirer, se mettre à couvert. Oh, par contre, 92K armure, la vache. Enfin, 93, je devrais dire même. Je te dirai après, parce que j'ai beaucoup. 110K... Putain, 110K puissance et 80K pouvoir anomalie. Visée rechargée. Alors mes stats, je suis à combien? Ouh, bonus de dégâts de compétence, 1323%. Oh. Alors, attends, ouvre l'inventaire, je vais changer, je vais le foutre là. Résistance à 30%, ouais, c'est cool. Changer d'arme. Alors j'ai molette au bord d'altération. Il montre les dégâts de brûlure, poison, saignement. La durée de gel, cendre, vulnérabilité. Ah ouais, donc en plus ça booste ma brûlure, ça booste la faiblesse que je fais avec le gun. C'est cool tout ça. Ah, par contre, j'ai quasiment 40% de perforation d'armure, moi. Attends, j'ai un doute là. Changer d'arme, il n'y a que molette haut, il y a un problème. Donc je vais mettre ça. Voilà. Ça alors attends. Non, mais je suis dessus, hein, t'inquiète, je suis en train de regarder. Je te dis, sinon c'est touche A de base. Oui, non, mais j'ai changé. Enfin, Q, tu veux dire. Mais oui, c'est pas grave. Si c'est calé sur un QWERTY. Attends, sinon, moi, niveau armure and co. Changer d'arme A. Donc ça m'évitera. Puissance de feu, je suis à 110 000. Pouvoir de l'homénie, 53 000. PV, 21 000. Et armure, 101. 101K. Hey, j'ai un peu plus de pouvoir d'anomalie. On a la même puissance de feu. Bon, sauf si je passe sur ma faucheuse qui est à 135 de puissance de feu, tout compris. Bah, de base, elle est quasiment à 100K. Elle est à 99.4. 49. C'est bien, déjà, on peut avoir des... On a des équipements de niveau 50, 49. Ouais. Donc ça, c'est cool. La faucheuse, je l'ai eu niveau 50. Si on a besoin, bah vas-y, viens sur le Discord dans le général et on te décale sur le... Bien sûr, bien sûr. Y a aucun problème. Bon, alors. On va faire comme ça, tout le bleu. Thiago. Belle. Thiago. Quoi? Non, recyclage de munitions, OZEF. Après, il y a celui-là, il faudrait que je le monte. Non, il a dû les dégâts infligés par les élites. Ah non, mais augmente votre armure. Non, non, je peux pas. Non, je peux pas. Toi, je pense que je te mettrai jamais. Quoique, il faudrait que je vire les coups de chevrotine avec ça. Je perdrai la tourelle toxique. Non, pardon, c'est là. Créotouelle. Ouais, elle ferait moins de dégâts. C'est pas très grave. Mais j'encaisserai quand même psychopathe. Ah, donc toi je pourrais pas t'utiliser, donc je te dégage. Là, il faudrait juste que je monte le légendaire à mon avis pour qu'il soit au-dessus. Ouais voilà, c'est du niveau 50. Comme ça, poubelle. Là, pareil à mon avis, ouais, niveau 47, donc faut que je le monte. 49, 44, là il y a quoi? Des balles en appelant des... Hop, j'ai acheté un nouveau petit casque. Hop, le petit casque. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que j'active des compétences, je fais des dégâts aussi. Ça, c'est marrant ça. Allez, on vire ça. Je vais remettre le truc de recharge. On va changer ici. Giga explosion, voilà. Je veux de la compétence. Non, non, je veux le giga. Parce que la comète c'était sympa, mais quoique j'ai quand même fait pas mal de dégâts avec la comète. Hein. Ah oui, non, non, ta comète elle a fait masse dégâts, hein. Elle est pas dégueu. Hein. Mm. Ah mais la ratata, je l'ai passé niveau 50. Et ça aussi. Bon, j'ai plus de... J'ai pris une grosse claque au niveau des... du titane et aussi des ressources de capsule. Moi, je viens d'acheter un casque. Hein, donc, moi, mes ressources, elles ont fait... Pour passer de 49 à 50, ça te coûte quand même 72 000 capsules. Donc... Aïe, 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 aïe. Alors attends, est-ce qu'il est sur le Discord? Il est là. Hop, on le décale. Et hello Sova. Salut. Salut à toi. Ouais, on fait des petits tests. Je voulais tester sans vent cinglant, mais la comète ténébreuse elle a l'air d'être quand même pas mal parce que toutes les 3 secondes balancer 210 000, c'est à peu près l'équivalent des vents cinglants, donc. Sauf que c'est 3 secondes de cooldown, alors que vent cinglant, c'est toutes les 8 secondes. C'est toutes les 8 secondes et c'est surtout par rapport au rechargement. Ouais. Donc, mais après, je l'ai mis aussi sur mon petit pistolet, le vent cinglant. Mais il faudrait que je monte mon pistolet de niveau, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà, déjà quelques niveaux de plus pour qu'il fasse un petit peu plus. Ok. Mais là, vu qu'ils ont doublé le loot de... Mais bon, moi je loot de toute façon que des armes, hein. Le jeu veut pas me donner d'équipement. J'ai un torse, mais il est pas terrible et comment ça s'appelle? J'ai torse et jambière. Tout le reste, c'est pas terrible. Ce sera plus pour un autre personnage. D'ailleurs... moi, il faudrait que je monte mon gilet de tortionnaire niveau 50. Je vais ranger... lui, j'hésite vraiment, hein, parce que le sauterelle enflammé, mais c'est toutes les 8 secondes. C'est comme le rechargement. Donc, hop, on va ranger tout ça. Non. Et donc, je suis bien content du petit stuff que j'ai fait, là, avec le set éruption. L'éruption fait des dégâts en devenant le sort de base. Ouais, mais ça, c'est des trucs que j'utilise pas, donc je le vire. Hop. Ça fait bien pour le moment. La gros lag. devait être magnifique. Ok. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. On se met en quel niveau? On a vu que 13 ont passé, on met 14. Bah on a Sova donc 15 non, ça passera. Il est pas petit. De quoi 14 14 okay. on passe en 14. Oh, on passe en 14. 14 direct, ok. 40% de légendaire. Allez, site du météore. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Nous aussi. Nous aussi, 15 jours. Et quelques problèmes de PC aussi à côté. J'ai mon Water Queen qui commence à rendre la... Ah, mais là, il fait chaud en ce moment et ça aide pas. Ah, tu vois, là, je suis à 65 degrés. Bon, ça va, ça monte pas aux 90 de la dernière fois. Donc, c'est bon. D'ailleurs, t'as mis ta pâte thermique? Non, non, j'ai toujours pas fait, mais j'ai le PC ouvert et le ventilo qui s'ouvre dedans et ça suffit. Et c'est bien, ça me rafraîchit aussi au passage avec le ventilo, donc... J'ai réussi à faire les 99 degrés, moi. Ah, mais non, mais moi, c'est pas ça, c'est qu'il y a une limite, le PC se bloque dès que tu... Et quand il dépasse 90 degrés, il fait... Blocage, tu fais... Ah ok. Mise en sécurité. Et ça m'a planté mes vidéos. J'étais dégoûté. Allez, ça va, j'ai trouvé le... La parade pour le moment, faut juste que je change la pâte thermique et ça devrait aller. Il faut que j'arrête de laguer. Ah, bonne touche. J'ai essayé de mettre en DirectX 12 au lieu de 11 cette fois-ci. Bonjour et bienvenue au barbecue. Je suis pas sûr que le DirectX 11 soit mieux quoi. C'est le DirectX 12. Je me prends un gros lag, là c'est catastrophique. Il faut que je me réhabitue. Là, tes copains. coup là vous allez vous prendre un lag. Il s'est fait des pop là. Et il dure plus longtemps, non? Il y a un passage qui finit sous la météorite. Et ouais, ça fout le monde. Les bêtes ont trouvé une partie. Je vais très vite leur demander de me la donner. Non, j'en suis disposé. Sur 35 degrés, c'est quand même. C'est ce que je pense. N'importe quoi. Oh là là, les météores qui tombent à 300 000. Oh ouais, ouais, non, mais je les vois tomber de temps en temps devant moi, ça me... Je blâme 300 000. Quoi? J'avoue que le météore, si je pouvais l'avoir sur la grosse brattaque... Sur la faucheuse. Et surtout que ça tape deux zones, donc dès qu'ils sont paqués, ça fait tellement de dégâts. Allez, boum boum. Le 300 000, prends ça. J'adore. Mais j'ai l'impression que c'est pété le truc. J'ai trouvé une capsule gardée par des monstres. Parce que le truc qu'il y a, 26 000 ressources. J'ai l'impression que je tape 300 000, c'est dès que je change de mob, ça me le cooldown et reset, c'est 3 secondes sur le même mob. J'ai l'impression. Après 3 secondes, c'est rapide hein, aussi. Hein. Bon, on va avoir du légendaire, j'espère, là, un peu. Donc, déjà, il y en a... Oh, mon Dieu! J'en ai un. Oui, moi aussi. Bon, mais malheureusement, c'est un truc que j'ai déjà... Oh, enfin... C'est un casque que je n'ai pas encore. Moi, c'est des jambières. Et ça me fait chier parce que j'ai déjà des jambières légendaires. Fous-toi de ma gueule, le jeu. Ah bah moi j'ai un full armure légendaire là donc Ah oui. Ah non moi je suis pas encore là. Allez. Ah là 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 là. Mais c'est cool là que ça loot. C'est bien enfin que ça loot un peu parce que franchement quand t'avais des 1, 2 ou 3%... T'es pas content que ça loot jamais, quoi. Oh là là. Ah bah, on se prend une branlée, hein. Ah bah, ça, en même temps. Alors, la comète ténébreuse, si, quand même s'il est pas au petit, il a quand même du stuff, donc. Oui. La comète ténébreuse est quand même pas mal. Hein. Elle fait quand même pas mal. Elle fait mal. Hein. Je pense que je vais la garder sur celui-là. Après, j'essaye de zigzaguer avec vent cinglant, mais je fais beaucoup moins de dégâts. J'avais moins. De... En fait, si j'ai pas de mobs autour de moi, le vent cinglant sert à rien, en fait. Tu fais juste ça. Sur un. C'est faut arriver à paquer les mobs, quoi. Oh. Un casque qui n'a pas de 7. Je vais voir toi ici, si t'es pas mieux. Ah, ça c'est mieux ça. C'est bien ça. Je perds quoi? Baroud d'honneur, recevez à chaque fois qu'un ennemi, dont ils ont du mal traduire, à chaque fois qu'un allié je pense. Ah, j'hésite. Parce que là, je perdrais. Recevez 6819 puissance de feu, 4500 de pouvoir de l'anomalie et 29 000 d'armure pendant 8 secondes à chaque fois que vous récupérez des PV. Bon, après, il y a une colonne de 10 secondes avec augmente de 15% les dégâts infligés aux ennemis touchés par l'altération d'état gel. Et en plus, c'est un... Oh, vous augmentez les dégâts d'armes de 90% sur les ennemis gelés et augmentez les dégâts critiques de 10% pour tous les membres du groupe. Ah, mais c'est bien ça, c'est le 7 gel. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est ce qu'il me faut, parce que je gèle quand même pas mal. Donc ouais, je vais mettre ça avec... Le 7 Frieza. Je vais faire ça. Bah en plus, là, elle est niveau 49, donc je gagne 2 niveaux. Et il faudrait juste que je change son principal. Et que je la buffe, bien sûr. Il faudrait juste que je change son principal. C'était quoi? C'était Cryo Tourelle. Oh, Osef. Donc je peux mettre ce que je veux ici. Parce que réduire le temps de recharge de la Cryo Tourelle, Osef. Que je... Il est déjà bien réduit. Allez, hop. On va booster un petit peu ça. Alors, c'était toi. Modifier. En niveau 3, j'ai rien. Niveau 2. Je ferai pas des trucs intéressants à mettre à la place. Faut pas... Faut pas que j'arrête d'acheter du titane là en ce moment. Bah, dis-toi que j'en viens à commencer à vendre des caps pour acheter du titane. D'accord. Vu que les capsules on les gagne par, par paquet de 20 000. Ah, par contre, ne pas se tromper, la ferraille maximale est limitée à 999 999. La ferraille... Ah oui, non, mais moi, il me reste 30 000, donc j'ai un petit peu dépensé. Ok, après... Ah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu vends beaucoup de caps, oui. Ne vends pas plus haut que ça, sinon t'as de la perte. Dégâts à longue portée, je m'en fous. Je peux pas booster les armes. Non, tout est à fond. Ou j'ai pas assez. C'est à fond. J'ai pas assez. Ok. Augmente de 15% votre résistance à chaque fois que vous utilisez une compétence. L'effet est cumulable 3 fois et se détériore toutes les 7 secondes. C'est cool ça. Les dégâts à courte portée, je monte. Faudrait que je spamme un peu plus mon cac pour le garder stacké ce truc là. Ah. J'ai pas fait gaffe mais je vais arrêter l'épisode là. Bah, c'est juste que je peux, stacker 45% de résistance en plus, donc. Non, mais c'est pas par rapport à ça. Je vais donc ouais, je vais stopper l'épisode là et on va repartir sur un nouvel épisode. Donc pour YouTube, abonnement, cloche, pouce bleu, commentaire, partage, il y a tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description et tu fais trop de bruit. Allez, à plus.